Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire du vocabulaire. Nous allons travailler sur les antonymes, c'est-à-dire les mots de sens contraire, avec Ben et Frances. À quoi ça sert? Alors, regarde Ben, regardez, Ben est chez lui. Elle fait quoi? Il éteint la lumière, voilà. Le contraire est allume la lumière. Éteindre et allumer sont des mots de sens contraire. On dit que ce sont des antonymes. Les antonymes servent à dire le contraire. Des mots antonymes sont des mots de sens opposé. On dit aussi des mots de sens contraire. D'accord? Je donne maintenant des exemples, excusez-moi. Par exemple, il y en a deux adjectifs. Petit et grand. Voilà. Petit et grand. Voilà. Est un sens contraire. Si on dit que Ben est petit, alors le contraire, Ben est grand. Fais attention, les mots antonymes, en plus d'avoir de sens contraire, sont de même nature. Ici, petit et grand sont des adjectifs. Les antonymes peuvent aussi être des verbes, par exemple. Oui, allumer et éteindre. Comment te laver? Au début, ce sont des verbes. Le verbe éteindre veut dire le contraire d'allumer. Ce sont des antonymes. Voilà. Les antonymes peuvent aussi être des noms, par exemple. Il y en a le nom ami et ennemi. Ami et ennemi sont des noms communs, de sens contraire. Si tu veux remplacer un mot, oui, par un antonyme, il faut faire attention au contexte de la phrase. Voilà. Les autres mots de la phrase t'aident à contraire, t'aident à connaître le contexte. Par exemple, du pain frais et un vent frais. On ne va pas remplacer l'adjectif frais par le même antonyme dans chacune de ces phrases. Dans la première, du pain frais, si on veut dire le contraire, ça sera du pain rassé. Rassé est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Dans la seconde, un vent frais, c'est-à-dire froid. Pour dire le contraire, ce sera un vent chaud, le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Voilà. Résumons ce que tu as appris. Des antonymes sont des mots qui de sens opposé. N'oublie pas, il faut aussi qu'ils sont de la même nature. Et puis tu feras attention quand je voudrai remplacer un mot par antonyme. À bientôt!